c'est anglais ça. C'est anglais ? Oh oui, il y a plein de bateaux anglais. Nous, on a été à Antibes, là, au Quai des Milliardaires. J'étais étonnée de voir le nombre de bateaux anglais. Ouais, mais qui se mettent comme ça en plein milieu de. Non loin des, quai, non loin des balises, c'est pas normal, non ? Mais là. Non loin des balises comme ça, non loin de la plage. Mais on nous a dit que ce sont des gens qui viennent, qui louent les bateaux et qui, pendant une semaine, ils viennent en avion, on va les chercher, on les amène et puis après, hop, on leur. Ils se posent n'importe où, comme ça, ça leur fait un peu comme un camping-car, quoi. Voilà. Mais en bateau. Voilà. D'accord. Comme ça, on paye pas le port. Bravo. Voilà. C'est ça ? Bah, en tout, ouais. Voilà, ça va être ça. Vous voyez, les bateaux sont juste à côté, là. Il y a un Riva à côté, là, ouais, qui ouais, attend. Une navette passager. Et il y a un petit bateau en plus qui attend, voilà. Ils l'ont sorti en dessous, comme dans les films de James Bond, vous savez, sous le, bah sous oui, le carlingue. Mais c'est des super bateaux, ça. Des bateaux, à mon avis, qui accueillent pas mal de passagers, apparemment. Ouais. Et là, ils sont pas loin de Marina Bay des Anges, hein, c'est juste à côté. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Ouais. Voilà, c'est la nouvelle Côte d'Azur. Bah ouais, mais quand on voit les gens qui ont du mal à